Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfong et de Farinum pour un nouvel épisode, le 5ème ou le 6ème de Satisfactory. C'est ça, un truc dans le genre. Et donc je vais faire un truc extrêmement passionnant, c'est parti pour la biomasse. C'est de ta faute. Tu sais que c'est de ta faute en vrai. Bah, ma faute. Franchement, les mecs, éteins le truc de béton. Hmm? Éteins le truc de béton, éteins la foreuse de béton et la presse de béton. Pour l'instant on pose aucun béton, zup béton là, c'est bon, on en a une tonne. Éteins-moi ce truc. Ça changera pas grand chose. Bah si, ça peut nous permettre d'éteindre un brûleur de biomasse. Je vais couper ça. Alors, quel poteau est relié au béton? Non mais t'as juste à couper les machines directo. Tu vas sur la machine, oui, tu cliques. Ah oui, c'est vrai, tu l'éteins. Je peux juste faire ça. Off, bah oui, pause, paf, stand-by. Paf, stand-by. Paf. Vas-y, je on a combien de béton? Normalement tu peux mettre en stand-by une machine. Un brûleur. Cette machine est hors tension. Machine est hors tension. Quand je vais dessus, elle est hors tension. Mec, comment? Cette machine est hors tension. Comment fais ça, ce que tu veux, mais elle est hors tension. Je vais dessus, il y a écrit hors tension. Comment ça? T'as un générateur de biomasse qui est pas raccordé au système. Non, normal, il est en pause. D'accord. Ok. Donc attends, lui on le remet en pause. Et du coup, lui on le met en pause. Moi je crois que tu peux. Et du coup, celui-là on le met en pause. Oula, s'il y a un pic de production, ça plante. On peut relancer un du coup, non, au cas où. Ah ouais, faut qu'on le relance. En fait, sur le pic de production, lui il a besoin de tourner. Mais ta mère! Mais ta mère! Bon, j'en ai lu. Mais il faut. Au pire, attends, si tu veux, je gère l'électricité. T'inquiète, je fais l'électricité. Ah, tu m'en coupes un dès que tu peux en couper un hein, là. Dès que oui, tu arrêtes oui, de oui, faire des pics à la con. Hop. Oh là, j'aurais jamais dû faire un truc pour sauter plus haut et courir plus vite. Bon. Parce qu'on va beaucoup trop loin là. Là on voyage. Okay. Hein. Sans ta voix. Ah, c'est bon, j'en ai coupé deux. Du coup, t'en as plus que 4 alimentés. Ça va. D'un seul coup, on respire. Tu vois, d'un seul coup, je prends mes 360 carburants solides. Hop, carburant solide, excuse-moi. Ce sont pas des carburants, mais des carburants. Et hop, j'arrive. Gauche, science du clic gauche et tout est plat quoi. Et on a le calcaire en pause et les plaques renforcées en pause. Non, les plaques renforcées tu me les remets en ligne. Ah bon bah je vais peut-être devoir rallumer. Je rallume un biomasse. Ouais, c'est rallumé. Bah non mais il y a les plaques de fer gros, on est en pleine technologie, on demande des plaques de fer. C'est bien mais en fait le truc si je mets les plaques de fer renforcées en joue, et bah les ah plaques non, de fer. Ah non, c'est bon, tu peux les garder en pause. J'ai rien dit, garde-les en pause. Tu peux les garder en pause, oui. Le prochain jalon ne nous demande que des rotors. Parce que en fait le truc c'est que les plaques de fer. Donc, attends, je vais enfin, on en a plus. Un générateur. On est bon. Plaques de fer, de toute façon pour l'instant on n'a pas besoin. Je vais dans la recherche. Dans la recherche on a besoin de quoi? Ça je peux le faire, non? Ah, il manque quelques bobines. Ça je peux le faire. Ouais, c'est que, ça, voir comment t'as avancé moi ici. Oh, on a bientôt le pistolet. Ouais. Mais je vais. Le pistolet c'est rapide de faire ou pas? Bah en vrai c'est des rotors et quelques plaques renforcées. Bah non, des plaques de base, 100 plaques de base. Mais t'avais même pas 100 plaques de base. Ah oui non, j'ai pas ça. Ah un score, hein, j'ai pas. Si il faut que tu coupes ta plaque de fer renforcée, tu me le dis, hein, je coupe un générateur et puis voilà. Attends, pour faire le pistolet à barre d'un marqueur. Non, pas 100 plaques de base. Pas ça, je parle du pistolet de peinture. Moi, je vais boucler les trucs dans l'ordre. Ah. Un petit peu là, parce que là c'est chiant. Normalement t'as assez de cuivre de cuivre, non? Non, il me faut des plaques. Donc là effectivement je peux couper la prod de plaques renforcées parce qu'il nous faut 300 plaques déjà pour l'objectif et il me faut genre 50 ou 100 plaques pour la recherche du pistolet à peinture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Les plaques renforcées, tu peux mettre en pause et dès que c'est en pause tu me dis je coupe un brûleur. Hein. Ah mais c'est déjà en pause, hein. Je l'avais déjà mis en pause tout à l'heure, ah, okay, on n'avait pas cette plaque. Bah écoute. Hop. On pose un voleur. Voilà. Alors on en est où niveau plaque? Pff,
On a que 58 plaques. T'atteins quand même des plaques, un peu énervé. Hein. Oh là là. On a que 58 plaques, oh là 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 là. 60. Sérieux, de plaques de base? Oh ouais. Oh la douleur. Non, en vrai avec ça. T'as du rotor à ramener? Ah putain, quoi? On est obligé de maintenir. Oh non, 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 tu... non, non. Non, mais tu vas pouvoir rallumer ton. Tu vas pouvoir rallumer le truc de plaque renforcée. Parce que si tu veux, non, actuellement, ouais. En fait, en termes d'énergie. Mais ta mère. Alors là, franchement, ta mère. Ah, franchement, ça me saoule. En termes de. Allez, où toi? Mais t'es éteint ou t'es allumé, toi? Ah non, il est éteint. Ah, ok, d'accord. Allume-toi, ok, d'accord, c'est bon. Ah, ça va redescendre. Ah, tu peux rallumer le truc de plaque renforcée parce qu'en fait. Bon, allume-le. Merde, je vais gérer le courant. Sinon, je vais m'énerver. Sinon, je vais m'énerver, je vais tout faire à la main. Je vais y aller avec mon petit burin et je vais faire ting 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 ting. Zéro consommation de jus, niquez-vous. Ça va être la politique de la maison. Voilà. Je vais m'énerver. Alors, normalement, si je fais ça, ça fonctionne. Voilà. Alors, maintenant, le pic il va jusque là. Du coup, je peux couper celle-là. Ah, un truc qu'il faut que je fasse qui est important en termes de recherche, parce qu'à chaque fois que je l'oublie, c'est celui-là. Voilà. Tu... Je peux pas rallumer les plaques renforcées. Je saurais pas. Ou alors on n'a pas de plaque pour finir. Ah. Bah, écoute, en fait, ça demand... les plaques renforcées demandent plus de plaques. Est-ce que tu peux me trouver 50 plaques et 50 tiges? Hmm. Est-ce que tu peux me trouver 50 plaques et 50 tiges renforcées? Non, non, tiges de base, plaques de base. Ah, tu voulais dire des plaques renforcées, je peux t'en trouver. Parce que là, on mais... peut économiser du courant. Je crois que tu as un problème de micro. Le temps de chaud est plus long. Ouais, c'est bon, ça sature, c'est nickel. Donc, je disais, est-ce que tu peux me trouver 50 plaques et 50 tiges? Oui. T'as déjà mis 38 tiges derrière toi. Non, il me faut 50 ou rien. Ouais, je. Ça va, je cours là. Et je les vois pas derrière moi. Ah oui, c'est bon, je les vois. J'ai. C'est surtout les 50 plaques, est-ce que tu les as? Je devais voir. Normalement, oui, mais. je suis en train de transpirer, mais je vais voir. Ça va, on en a 131. Ok. Bah, je veux bien que tu me ramènes ça. Tu me les donnes. Les 100? Tout. Donne tout. Ok, parfait. Tout, t'inquiète, TKT, papa il va gérer. Hop. Hop. Ce que je trouve d'ailleurs moche dans ce jeu, ce que j'apprécie ici qu'il soit amélioré, c'est que genre les coffres, genre comme on a à côté du PC jalon. Contient autant qu'un gros dépôt, tu vois. C'est un peu dommage. Littéralement, on pourrait juste faire des boîtes et ranger notre béton dedans, on aurait autant de place que dans un gros conteneur, tu vois. Ouf, oui, donc, je sais pas, soit améliorer l'un, soit réduire l'autre, j'en sais rien, comme ils veulent, mais je trouve ça un peu moche que t'aies autant dans une boîte que dans l'autre, quoi. Ça, et ça. Voilà. Là. Dans 5 minutes, tu vas pouvoir gérer la production, la cadence de tes machines. Ah ah. Je vais pouvoir tout réduire. Ce qui veut dire qu'avec. Ouais, tout réduire et donc potentiellement allumer la machine de plaque de fer renforcée. Mais alors, il faudrait que je garde. Ouais, ok, c'est ce que je fais. Et je vais balancer le reste dans le jalon. Jalon. D'ailleurs, est-ce que je peux compléter jalon? Ouais. J'ai moult bobines de cuivre. Si je les avais gardées pour la recherche, je vais en transformer. Je vais en transformer quelques-unes pour compléter l'objectif. Attends, mais il te manque des câbles là? Je vais chercher ça. Non, c'est bon, j'ai du câble, je suis en train de le faire. T'embête pas. Ah, il y a 6 millions de câbles là-bas. Ouais, mais laisse-les s'empiler comme ça stocke les autres ressources pendant ce temps-là.
Quand ça plonge, du coup, ça permet d'envoyer sur d'autres convoyeurs. C'est ça qu'il faut se dire. Ça, je peux déjà le poser. Est-ce que t'as 4 rotors sur toi ou pas? Non, mais je vais fabriquer ça tout de suite. Ah, je vais aller ou sinon je vais vite fait aller chercher. 1, 2, 3, 4. 4 rotors sont envoyés. Est-ce que t'as. Non. 213 plaques? Non. Non. Voilà. Non, j'ai pas ça. Ça, c'est dommage. Hein. Ah, si j'en ai 50, je suis pas. Ah, j'en avais pile poil 50. Dommage. Quel devin. Bah, je vais refaire du carburant solide, hein. Super. Bah, moi, je vais craft à la main des plaques, hein. Parce que je suis dans la misère la plus complète. Je suis en train de me demander si le gisement, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de me poser la question, est-ce que tu ferais pas mieux d'aménager le gisement de fer qui est juste à côté de nous, qui est en impur, juste pour sortir des plaques? Tellement dans surconsomme, j'ai l'impression. Bah, le problème, c'est qu'on arrive maintenant à la fin des plaques. On va être à un âge où on va arrêter d'avoir besoin de plaques. Je peux toujours le faire, parce que même pour les convoyeurs... Ah oui, mais c'est des plaques renforcées pour les plaques. Ça, puis on va arriver sur bientôt de la foreuse V2. Est-ce que c'est vraiment utile d'un... En fait, c'est un peu trop tard. On aurait dû faire ça plus tôt. On aurait dû poser une petite foreuse à main dessus. On pourra l'investir pour faire du... Après, ouais, sinon, fais vite. Pour faire fait. Des plaques renforcées. Même sans ça, pose sinon une toute petite foreuse toute nulle. Mais t'as pas assez pour produire des plaques renforcées? Je crois que j'ai un temps de latence entre chaque. C'est comme pour les rotors, hein, j'ai un temps de latence au niveau des vis. Ah ouais? Ouais. C'est pour ça que ça veut dire qu'on a pas assez de gisement de fer. Trouve un autre gisement de fer, monsieur. Et bah, on a un appur à côté de nous, mais je crois qu'on a des normales pas trop loin. Bah, je crois que c'est deux normaux, ça, non? Je sais pas, je peux pas te dire. Attends, je regarde. Je peux pas te dire. Divertis les gens. Ah ouais, ici c'est un normal juste à côté de la maison. Divertis les gens, dis des choses, je fais une petite pause imprévue, je reviens. Ah, je vais faire pareil. Ah oui, non, je ferai pareil quand tu reviens. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit par contre? Qu'est-ce qu'il me chante? C'est deux normaux à côté, par dessus là. Ah oui, il me parlait certainement de celui-là. Ouais. Oui. Bon. On les pose un peu juste comme ça. Pas trop mal. Pas trop mal. Les plaques de fer, il nous faut des plaques de fer. Paf, 47. Je prends tout. Roule tellement lentement. C'est aberrant. Nananani tira tatatsa tira li 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 li
Impressionnant. T'as vu? Impressionnant. Vraiment incroyable, je pense qu'il faut que tu deviennes streamer, hein. Au moins. Streamer? Ah, au moins. Oula. Voilà, voilà. Trop d'investissement. Un peu pour moi. Vera? Non. Ah, je construis des plaques, hein, du coup. Et je fais du biocarburant solide. L'épisode de la passion, je pense, on l'appellera. De la passion, ah ouais, pas mal. Oh, j'ai. Non, pas comme ça, j'ai déjà fini. Ah, mais. Combien? Mais 179 plaques que j'ai là. Mais ça finit le jalon, ça. Mais ça finit le jalon, ça. Très bien. Cinquante-neuf, c'est pas assez. Non, 179. Monsieur, vous n'êtes pas. Vous me sous-estimez là. Hop. Et paf. Jalon fini. Envoyé. Je peux pas l'envoyer. Ah. Ah bon bah ok. Milestone reached. Several buildings aimed at factory traversal can now be accessed in the building. Il attendait son maître, c'est normal. Ah mais on change de jalon juste après. Impressionnant. Oui, je veux écraser la sauvegarde. Pas sur moi, t'as un peu plus de plaques à me donner. T'es où? J'ai. Là, tiens. Et vraiment qu'un peu quoi. Oh là là, la misère quoi. Ah bah tu m'as demandé un peu hein. Ok, j'en veux beaucoup maintenant. Oui bah tu du peux coup, gérer la production écoute, de tes machines. J'en ai marre. Et le joueur était amélioré. Je tiens à te le dire, j'en ai marre. T'es saoulé? Du coup. Et je vais faire ces idoles. C'est me donner. Ouais, chaud quoi. Ok. T'as des tiges. T'as trois tiges et trois plaques, s'il te plaît. Parfait. Là, tu me permets de faire mieux que ce que je voulais faire. C'est mon cadeau. 5 minutes, t'as une ceinture et un outil élargi. Pour avoir un objet de plus en équipé. Parfait. Ça, c'est vraiment bien par contre. Et bah c'est reparti pour masse biomasse hein. Il me manque des plaques. Quand même je pas l'impression que c'est un problème. Je divertis les gens. Quoi? Je dois divertir encore? J'aurais fait une petite chanson juste avant. Incroyable, divertir les gens. J'ai vraiment été fait pour ça. C'est un clown, moi. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je fous de moi ici. Ah, oh, mais en plus, je peux même pas interagir avec les gens. Hein? Bon. Bientôt la foreuse. Double foreuse, on va faire plaisir au clairplan, on va lui faire plein de plaques. Plein de plaques pour le clairplan. Il nous en sera heureux.
Oh, ça m'énerve. Vroom. Vroom. Hop. 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 Non, pas celui-là. C'est celui-là. Non, toujours pas. Celui-là alors. Parfait. Il produit si lentement, putain. Attends, il en met un deuxième à côté. Logistique convoyeur, paf, paf, paf. Paf. Après. Ah, t'as aménagé le gisement de fer juste à côté. Parce que je vois. Les deux, ouais. Les deux. Le gisement de fer. Par contre, tu vas être content, on va devoir relâcher. Oui, il y avait deux normaux ici. Comment ça, je vais être content? Tu veux dire que je vais arrêter de faire du biocarburant? Ah bah non, justement. L'inverse. Oh non! Non, t'as osé faire ça, non! Non! Ah bah, pourquoi? Va falloir. Bah, pour des plaques. Non, mais pas ça. Non, mais ça, tu refais. Allez. Non, ça c'est vilain. Non, mais ça. Ça, les gens ils acceptent pas. Quoi, hein. Ouais, qu'est-ce qui est vilain? Ça, les gens ils m'ont dit. Ouais. Traverse la roche, ils m'ont dit c'est mort. Hein. Ça, c'est. Je viens de lire les commentaires. Non, ils sont pas d'accord. Ah, je t'ai déjà dit. Hein. Les commentaires de la vidéo précédente que je n'ai pas encore posté, les gens ils disent non, on n'est pas d'accord. Donc, n'hésitez pas, les gens qui regardaient, allez dans la vidéo précédente marquée non, on n'est pas d'accord. Attends, mais tu l'as défait. Attends, tu l'as défait. Ouais. Sans prendre les plaques. Ouais, c'est bien ce que j'ai fait, ouais. Tu l'as défait sans le remettre. Non, mais... Ouais, exactement, ouais. Incroyable, tu me voles mes plaques en fait, tu voles les trois plaques qu'il y a dessus. Est-ce que je t'explique depuis tout à l'heure que moi et les gens de YouTube, hein, et les viewers, les visionneurs en français, les téléspectateurs, si on était une télévision, ça fait 20 minutes qu'on se tape le biocarburant solide là, en boucle. Juge pour toi, monsieur. Alors tu vas changer. Tu vas me faire des jolis tapis. Tout de suite. Dans des tapis si que veux, changer, quand je les vois, j'ai envie de monter dessus, tu vois, et de me balader. Tu vois. Mais tu peux aller te balader, moi je. Démerde-toi. Je fais mon biocarburant. Les gens te jugent. Non, tu veux pas faire le biocarburant solide que je suis en train de faire. Non, t'es en train de me dire ça, mais tu veux pas le faire. 20 minutes, mec, que je suis en train de le faire. Oh, ah, je suis bien. Tu veux pas le faire. Et il reste 2000 biomasse à transformer en biocarburant. Enfin, 2000 biomasse déjà à faire pour transformer en 2000 carburant. Non, tu vas ah pas oui, le mais faire. Attends, du coup. Prends-moi bien, t'as pas envie. Faire des beaux tapis. Des beaux tapis. Voilà, tu fais des beaux tapis. Vends du rêve à ton peuple. Je vais te vendre du rêve si je te dis je dois rallumer une machine. Je sais pas, j'ai fini la ceinture à outils moi. J'ai pas assez de bobines de cuivre. Il me faut plus de bobines de cuivre. Tiens. T'es où? Plus de plaques. Sinon tiens. Je peux pas travailler. Oui, bah justement, les plaques, c'est ce que je suis en train d'essayer tout à l'heure. Il me faut plus de bobines de cuivre en fait. Bah, il m'en faut 2000. Bonne journée. Écoute. 2000. Ça arrivera quand ça arrivera. 2000. Et voilà, et maintenant que je t'ai donné toutes mes bobines de cuivre, je peux plus rien faire. Bah tiens, je te les donne. Je m'en fous, hein. Moi, c'est 2000 ou rien, en fait. C'est 2000 ou zéro. Tiens. C'est 2000 ou zéro. À prendre ou à laisser. Ça, c'est la recherche qui existe, hein. C'est pas moi. Hein. Sache que ce n'est pas contre toi. Hein. C'est la recherche, le monde. Le monde exige 2000 bobines de cuivre ou rien. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un éclat de charge? Je t'en fais un tout de suite si tu veux, j'essaie sur moi à première vue. Hein. Bah en fait non. Mais si tu veux m'en faire un, tu peux. Mais je peux t'en faire plein en fait, si tu veux. Mais j'en ai pas besoin. Parce que j'en ai beaucoup trop à disposition si tu veux.
t'es en train de me dire que t'es en galère de mine de fer, donc tu fais des mines de fer supplémentaires, mais t'as pas besoin d'éclat de charge. Ok. Bah maintenant que j'ai fait mes mines supplémentaires, non? Bah c'est toi le patron, patron. Bah, tu sais, je suis que le larbin qui fabrique du biocarburant solide et qui le met dans les machines. Non, finalement, je ne suis personne. Hein. Pauvre Choupinou. Alors, 2 et 3, et c'est parti, et ça a pas l'air de casser l'électricité, du coup... Non, ça tient pour l'instant, je suis en train de regarder le courant, je pense que tu peux brancher une usine en plus. Une usine gourmande, ouais, en plus. Ce qui est pas rien. Je n'ai pas d'usine gourmande en fait, de faire comme ça. Pas d'assembleuse à brancher ? Intéressant. Que j'ai déjà les plaques. Enfin, oui, je pourrais relancer les plaques de fer du coup. T'es sûr que t'as besoin d'aucun éclat de charge pour rien? Si tu peux m'en. Tu peux toujours m'en faire 2. De la verte? Oui. Ça change pas grand chose, hein. C'est le même éclat de charge. Ah oui, la jaune ça te permet juste d'en faire plus, c'est ça? Ouais, la jaune ça te permet d'en faire 2 à la place de 1. Oh putain, il faut des blagues, putain, il faut tout quoi, j'ai rien, je peux pas faire de recherche, au secours. Et la rose ça permet d'en faire 5 à la place de 1. Violette, mais pas rose. Oui, rose, quand tu veux. Ah, mais je peux pas parce que j'ai pas fait la recherche de la jaune, putain. Ah, bah elle fait des vertes alors, c'est pas grave, elle fait 2 vertes. Ouais, mais j'aurais bien aimé faire des jaunes, ça m'aurait fait de la place dans l'inventaire. 2? Oui. Ok, je t'en fais 2. C'est pas, ça prend un peu de temps. Bien sûr. J'ai tout mon temps. Ok. Ça tombe bien. Tac, tac. Normalement les plaques ça devrait aller, ça va aller un peu plus vite. Ah bah j'espère parce que là... Je vais relancer les plaques renforcées, comme ça on aura de nouveau des plaques. Ah bah attends, bouge pas, j'ai bientôt fini là. Hop, je fais la dernière. Voilà, c'est bon, on est bon, j'ai tes charges. Ouais, je suis là. Je t'ai resté juste là. Attends. Tac, tab. Voilà. Attends là, mais. Ok. Moi ça me libère une case dans l'inventaire, ça me va très bien. Allez, salut, démerde-toi. chacun sa merde. Hein. Moi depuis tout à l'heure, tu me laisses avec des merdes sur le dos. Voilà. Hein. D'accord. Voilà. Je te rappelle qu'il faut toujours des plaques, des machins, des trucs et des bidules. Oui. J'ai rien du tout. Des rotors, des stators, des protors. Envoie-moi tout ce que t'as. Hein. Ah, attends, je peux peut-être faire ça. Ah bah non, 2000 câbles. Non, bah non. Non, non, 2000 fils. J'ai pas. Visiblement, le cuivre est une ressource extrêmement rare dans ce pays. Qu'est-ce que tu te mens ? Du cuivre. Des fils de cuivre. Attends, parce que j'ai besoin de plaques. Mais j'ai besoin de tout, mais des fils là. T'as pas 2000 non, fils qui traînent fils de... Ah, les fils de cuivre. Balancement 2000 là. Voilà, monsieur, les fils de cuivre. Pas encore. Alors, de cuivre, j'en ai pas besoin, mais de cuivre, j'en ai besoin. Attends, ils sont alors, du coup, toi, tu dis pas une cuivre. Tu dis une guivre, du coup. Une guivre? Oui. Au lieu de dire une guivre. Qu'est-ce? Déjà de base. Ha! C'est une vouivre, mais sans aile. Une vouivre, mais sans aile. Non, pas une vouivre. Une vouivre. Avec un oui dedans. Vouivre. Vouivre, okay. Chevalier orc. Oui, oui, tout ça, oui, je vois, mais. Vouivre, un dragon, mais sans bras. Oui, oui, d'accord. Donc avec 4 membres, 2 postérieurs et 2 antérieurs, et non pas 4 membres antérieurs. Voilà. Ok, ok, bah oui, du coup, j'ai dit non, pas. Non. Des guivres ou tu dis cuivre? Guivre. Si je vais le prononcer, je prononcerai guivre. Les gens dans le chat m'écrivent que tu es belge une fois. Ah bon? Ah, il y en a qui a même précisé, peut-être même 2 fois, à ce qui paraît.
T'es sur Twitch? Non, je me branche de taquine. Non, ah, ça aurait été marrant. Twitch. Ma connexion n'est pas assez stable pour aller sur Twitch. Malheureux. D'ailleurs, ce qui est très marrant, c'est que depuis le début du confinement, ma connexion n'est pas plus instable qu'avant. Alors qu'il y a beaucoup plus de gens sur le réseau. Comme quoi, les sociétés brident quand même vachement bien le réseau en termes général. Pareil là, moi je suis un mec qui a 150 genre MO sur mon téléphone portable parce que j'en ai rien à foutre. J'ai genre 150 MO sur mon téléphone portable. On m'a offert 10 gigas de plus quoi. La blague. 10 gigas d'en revoir, tu payes ça un bras. Un bras, oui, clairement. Alors, surtout en France. D'ailleurs, ce serait marrant de savoir si en Belgique t'as un coût de la vie plus élevé que le nôtre ou pas. Très bonne question. Non, je crois que c'est plus ou moins équivalent. Et l'autre question, c'est est-ce que c'est pareil chez toi, quelle que soit la région linguistique? Ah, c'est peut-être. Parce que tu parles trois langues hein, chez toi, si je dis pas de bêtises. Hein. De quoi il y a? Trois langues dans ton pays. Oui, alors je crois que les. Ah, je me demande si c'est pas plus cher aux Pays-Bas. Enfin, aux Pays-Bas, du côté flamand. Il y a des chances que ce soit plus cher du côté flamand, vraiment. Ouais, parce que c'est les montagnes, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est surtout que c'est le côté riche du pays. Il y a les pauvres. D'ailleurs, que je sache, un de ces quatre, pourquoi les flamands sont si riches que ça? Alors. Comme pour l'Espagne, tu vois, avec les Catalans. Bah, en fait, c'est pas très compliqué. Avant, c'était nous les riches. Et puis après. C'est-à-dire les francophones? Les Wallons. Les gens qui disent nanny et qui. Et les dont tu entends l'accent complètement belge. Les francophones. Eh bien, c'est ça, si tu préfères. Bah oui, parce que vous êtes ceux qui parlent français, quoi, en fait. À moins que tu me dises qu'il y a d'autres catégories dedans. On est les Wallons, quoi. D'accord. Mais si tu veux, il y a autre que des Wallons qui parlent français en première langue. Parce que toi, tu parles français en première langue. En langue maternelle, j'ai envie de dire. Oui, oui. Mais il y a autre que les Wallons en Belgique qui parlent le français en première langue. En langue maternelle. Non. Bah, non. D'accord. Donc pour moi, j'appellerais ça la Belgique francophone. Oui, c'est. Tu peux totalement. Pour traduire. Ça a besoin de 195 par minute cette machine là. Ah oui, d'accord, quand même. Mais c'est bon de savoir que j'ai des frères qui sont wallons et des frères qui sont québécois. Oui, c'est ça, par exemple. J'ai plus mes frères de Berne, comment ils s'appellent. Ah, comment ils s'appellent les Suisses francophones? Faudrait que je redemande à un Suisse. Comment ils s'appellent? Ah, Roman. La Suisse romane. Les Romans. Bon, mais du coup, oui, donc avant c'était nous qui étions riches du côté francophone parce que on avait toutes les grosses entreprises, c'était ArcelorMittal et que bien sûr, et on n'était pas très. Et on donnait pas d'argent, on les laissait un peu crever de leur côté, les Flamands. D'accord. Parce que après tout, ils parlaient pas comme nous. J'ai pas eu. J'ai envie de dire les gens sont pas très intelligents quoi. Mais bon, donc voilà. Et puis après on a revendu le côté francophone a revendu toutes les entreprises à je sais plus trop qui. Je suis même pas sûr que c'était du. Je me demande si c'était même pas des Chinois qui ont acheté ça. Non, ça a fait c'était franco-américain. Ah bah voilà. Et ben ça a fait faillite, du coup. Et du coup toute l'économie wallonne, eh ben, elle a fait un flop. Du coup c'est à Anvers qu'il y a toutes les plus grosses entreprises, donc c'est pour ça que maintenant c'est eux les riches et c'est pour ça qu'ils nous crachent dessus parce que c'est eux qui ont l'argent et qu'on est un peu à leur pied quoi. Ah, vous dites Anvers? Oui. On est d'accord que c'est Anvers. A-N-V-E-R-S. Oui. D'accord. Pourquoi? Tu voulais vous l'appeler comment? Non, c'est juste que nous en France. Alors pour faire chier les latins, parce que là ça remonte des Gaulois, hein, ça remonte autant des Gaulois, pour faire chier Rome, on prononçait pas les S. Donc en fait en France on prononce pas les S à la fin des mots. Des noms propres. Ouais, mais attends,
Tu dis Bruxelles, non? Oui, tu dis Bruxelles. Oui, oui, voilà, chez vous, vous dites Bruxelles. Oui, non, chez nous, c'est Bruxelles. Oui, enfin, Bruxelles, ou peu importe, comme tu le veux, mais... comment dire, chez nous, on dit Angers, et pas Angers. Ah, on dit Angers chez nous aussi. Vu que c'est vous, enfin, vu que c'est, ça vient de chez vous, et vous, voilà. Vous dites Angers, nous, on dit Angers. Il y a des petites exceptions, genre... non, même pas, attends. Arles, on dit bien Arles, alors qu'il y a un S à la fin. Voilà, je crois ah, qu'il existe quelques dit Arles, exceptions. Mais globalement, on prononce pas les S à la fin des mots latins, juste pour faire chier les Romains, et ce depuis 3000 ans. Mais du coup, non, nous on dit Anvers, avec un S. D'accord. Mais c'est surtout parce que les Flamands en disent Anvers, je crois. Du coup, ils sont adaptés. Okay. Alors du coup, c'est faussement des riches, c'est-à-dire que c'est des riches, mais que parce qu'ils ont de l'industrie. C'est-à-dire que c'est la richesse face. Façon ch'ti, si je pourrais dire chez nous. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est de la richesse industrielle. C'est ça. Bah, comme nous avant, on était riches industriellement. Hein. Ouais, mais comme le nord de notre pays. Alors, du coup, vous êtes venu juste une région pauvre ou vous êtes diversifié dans l'activité? Comment ça se passe pour vous, les gars? On va dire qu'en fait, on n'est pas pauvre. Clairement, comparé à d'autres pays, on n'est clairement pas pauvre. Mais on est plus pauvre que les Wallons. Plus pauvre que les Flamands. Ouais. Et du coup, quand il y a des trucs à financer dans le pays, ben, on a souvent besoin de Flamands. Tiens, regarde. Je sais pas. T'as pas plaisir. Six tiges qui traînent sur toi, genre? Ouais, si, tiens, pas ça. Merci. Parce que j'allais te mettre un petit coffre à web. Et donc, ouais, on a. On est juste un peu plus pauvre que le côté haut du pays, quoi. Ok. Et on se déteste. Personne n'a jamais aidé personne, quoi. En fait. Ouais, c'est un peu le problème de la Belgique, c'est qu'il y a un peu une division. Bah, c'est pas encore la Corée du Nord et la Corée du Sud, mais il y en a qui aimeraient bien y arriver, quoi. Ouais, c'est ça. C'est. Il y a une opposition, mais ça, c'est lié à la langue. Hein. C'est comme en Suisse. Hein. En Suisse, vous avancez pas parce que vous avez la barrière. Vous avez la barrière de la langue qui est un peu volontaire, j'ai envie de dire. T'as pas de la bobine de cuivre? Si. Bon, il m'a rendu très exactement toutes les bobines de cuivre que je suis en. Non, je crois qu'il y en a 10 de moins. Ok. Bah, j'ai lancé une recherche à 5, mais il va me falloir beaucoup, beaucoup plus de bobines. Hein. Ouais, j'allais voir sur la 3000 en tout pour tout. Quand même. 3000 en sachant qu'il m'en reste 1140 quoi. Un beau morceau ça, 3000. Ouais, je suis un peu content. Je vais aller voir si je peux pas un peu augmenter ça. Et attends, il y a un truc vers là qui brille, non? Non, c'est le jeu qui bug ça. Ah, et je sais. Ça, c'est le jeu qui bug. Ouais, c'est le jeu qui bug. Le jeu qui va afficher une limace verte. Non, je l'ai prise il y a longtemps. Ok. Non, mais je sais. Je vais mettre ça en stand-by, on a déjà beaucoup de câbles en vrai. Ouais, câble surtout pour l'instant c'est pas obligatoire. D'ailleurs, pourquoi le jalon il s'affiche pas? J'ai oublié de le valider. Ah, j'ai oublié de valider le nouveau jalon. Ah. On a un conteneur. Ah d'accord, c'est la merde, super. Phase 1 de l'ascenseur orbital, d'accord, oui c'est ça. Ascenseur Orbitalus. Ok. Alors, béton, je pense que je vais avoir. Il faut que tu me sortes 4 centiges ou un truc comme ça. 4 centiges ou ça là. Oh, ouais, ou un truc dans le genre. Il y a des. Excuse-moi, mais enfin, je pense qu'il y a des. Il y a quand même des. Ah, bah je les ai. Il y a quand même des machines, tu peux gérer les prods là. Parce que là je vois le fer bourré dans les machines. De l'autre côté, tu pourrais soit rajouter des machines, soit réduire les productions. Ce qui te permettra de relancer d'autres industries. Oui, clairement. Parce que je les vois bourrés de l'autre côté, donc. En fait, je les laisse tourner pour le moment. Comme d'habitude, je vais prendre 500 béton. Moi, ce que je faisais, c'est. Avant de tout optimiser, je mettais juste beaucoup d'électricité, comme ça, j'avais pas de problème. Okay. Mais c'est vrai que je pourrais réduire. Attends, là par exemple un truc que tu peux faire, si on veut tout simplement, c'est arrêter la mine
genre lui on le met au minimum. Genre je sais pas, on le met à 10%, 15%. J'allume la production, tu vois, de béton et je relance le béton tranquillement, tout doucement, juste pour endiguer les genre 200 calcaires qu'il y a dedans, quoi. Comme ça, on a potentiellement 75 béton de plus, quoi. Calculer l'arraché, bien sûr. Voilà, normalement ça devrait plus bloquer à ce niveau-là. Et alors, ici, on demande combien ? On demande. Attends quoi ? Ça a jamais, ça bloque jamais en fait ici. C'est ça ? Je suis en train de dire. Si ça bloque. Ça en demande 30 par minute, et ça, ça en sort 30 par minute. Il faut tellement de fils de cuivre, c'est ouf. C'est ouf la quantité de fils de cuivre qu'il me faut. Ça, c'est bon. Je suis content, j'ai enfin pu faire un coffre. Enfin. J'ai récupéré ça, je sais pas si je peux faire une biomasse. Ouais. 30. Récupérer ce qu'il y a là. Récupérer ce qu'il y a là. Et on est bon. Hop, ça, ça, ça tricage. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Là, ça va plus bourrer normalement. On va plus bourrer, ça devrait plus s'arrêter. Quel plaisir. Ça, quel plaisir. Ouais. Alors ici, ça bourre. Pourquoi ça bourre ici? Pourquoi ça bourre? Parce que les machines sont pas en stand-by, quoi. T'as relancé la production de calcaire, c'est toi? Oui, juste... mais pas la prod, okay. Pas la prod de calcaire, juste l'assemblage de béton. Ah ok, bah. J'ai lancé à 15%. Je peux la réduire encore, hein, si tu veux. Non, 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 c'était juste... C'était vraiment histoire de passer les 200 calcaires qui s'étaient agglutinés dedans. Parce que t'as 200 calcaires dans la foreuse et t'as 200 calcaires dans l'assembleuse. Pas dans l'assembleuse, dans le constructeur. Et c'était vraiment histoire de les passer, quoi. Pistolet à couleur, oui, terminé. Alors ça sort 10 pièces par minute. Pas mal. Et ça, ça en a besoin de 22 par minute. Ok, on a terminé tout ce qui était pétrole de fleurs. Donc si tu veux, on peut te faire un pistolet et repeindre tout si ça t'intéresse. Sinon... On peut pas rester là comme ça. Ok, bah trop tard, je suis en train de te faire ton pistolet. Voilà. Ah d'accord. Et vu que j'ai beaucoup trop de pétales, bah je vais t'assembler des cartouches de peinture. Comme ça tu vas te débrouiller avec. Pour ton plus grand bonheur, bien sûr. Hein. Ça va de soi. Alors à part ici, normalement c'est bon. 120, 120, ça fait 4, ça en sort 40. Ça en sort 40. Là il y a un 40 divisé en 20, si vous voulez, divisé en 2, ça fait 20, ça peut tomber. Voilà, normalement il y a moins de pauses, il y a moins d'arrêts dans les machines. Un peu moins. Pas vraiment. Bon. Sinon il faut toujours beaucoup plus de bobines de cuivre. Bah elles sont en train de se faire. Et il y a toujours plus de tiges de fer. Et les tiges de fer, il t'en faut combien? Là, plus de 300. Tout de suite maintenant. Bah il me semble que t'as pas été vendre dans le coffre là. Dans le coffre, il n'y a pas de. Ah, il t'a pas, c'est ce que je me disais, t'as pas été voir à l'usine. Ah, bah non. Non, jamais, oh. Je vais là-bas, t'es fou. Les gens, ils ont jamais vu là-bas d'ailleurs à quoi ça ressemble. Oh, vaut mieux pas, ils vont encore dire dans les commentaires que t'es pas beau. Exactement. Ils vont dire que c'est pas joli, ça passe à travers la montagne.
Mais tiens, regarde. Maintenant que j'ai refait un peu toutes les productions. Mais t'es pas du tout. T'es parti là en fait. Non, je suis là. Je suis là. Ah, t'es là. Regarde. C'est tout ? Oh, je suis plein. J'arrive. J'arrive, je vais me décharger, j'arrive. Hop. Allez hop, ça c'est fait. Ah, t'as fait ça. Bah, y'a pas le choix, pour débloquer les jalons suivants, faut le remplir lui. Mais tu vas pas aimer ce qu'il va falloir foutre dedans. Ah, si, je connais, c'est du plaquage intelligent et tout ça, ouais, bah voilà. Ouais, ouais. Un bon gros plaquage intelligent, tiens. Alors, j'aurais pu le poser sur une dalle de béton propre. Mais bon. Bah, t'aurais pu ne pas le poser là, parce que du coup, on peut plus agrandir de ce côté-là aussi, mais. En même temps, il n'y a pas de gisement de ce côté-là. Si, il y a un gisement de calcaire là. On s'en fout un peu, je crois, non? Bon, on a pas mal de béton pour le moment, je crois. Bon, bah, t'es parti pour envoyer 50 plaquages directement à brancher dessus, hein. C'est trop bien. Bah, c'est ce que je vais aller regarder à faire. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai toujours pas assez de bobines. Sans tu bobines, vas vraiment pas travailler. Bobines de cuivre. Plus de bobines. Pendant que je fais le plaquage intelligent, ça va se produire et je te ramènerai ce que ça va produire. C'est là-dedans le plaquage. T'as pas 100 câbles genre à filer toi et 25 plaques renforcées? Genre tu dois avoir ça, non? Tu veux quoi et quoi? Envoie-moi 150 câbles et 25 plaques renforcées s'il te plaît. Oh oui, ça suit. Ça, monsieur. Alors ça. Ah oui, mais on est embêté. 25 là, t'as dit. Il faut qu'on trouve une limace jaune. Non, une limace verte. On se trouve une limace verte. Il faut qu'on se trouve une limace verte. Allez, 25 plaques renforcées, ça ne t'en fait pas joli. On se trouve une limace verte. Et alors, t'as demandé les câbles. Et une limace verte? Bah attends, si tu veux améliorer le truc, j'en ai encore 23 sur moi. Hein. Des limaces vertes? Non, pas des limaces vertes, des... Mais il faut des limaces vertes. Limaces vertes. Non, attends, t'es en train de me dire que t'as dépensé les 28 trucs de tout à l'heure et que maintenant t'en as besoin? C'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi t'as besoin des limaces vertes? Je permets pas d'interpréter comme ça, et de m'accuser impunément, genre, wesh, c'est ma faute. Ah mais non, j'en ai même pas besoin. Non, j'en ai pas besoin, j'ai rien dit. 150 câbles et 25 plaques renforcées, t'as ça ou pas? Regarde. Hop, et le nombre exact en plus. Excellent. Ça, je te prends même pas de place dans ton inventaire. J'avais pas un disque dur aussi à passer? Je crois que si. Hein. Ah, il me semble que tantôt je t'ai ramené un disque dur, après ce que t'en as fait. Ouais, je le récupère. Allez, du coup, le prochain épisode se finit quand? C'est bon. Bientôt. Dans deux minutes. C'est long. Dans quoi? Dans 2 minutes. Ouais, c'est ça. On bientôt ça. Si tu veux, je te tiens même au courant en termes de secondes. Donc là, dans 1 minute et 45 secondes. Il te faut quoi comme tape au point? Yes, il me faut ça et ça. Bah là, il faut que tu te mettes sur la fabrication de. Encore combien de cuivre? Ah bah autant qu'un évêque puisse en baigner. Tu demandes à. Tu contactes un évêque, là, l'évêque le plus proche de chez toi, tu lui demandes combien? Combien, monsieur? Combien vous combien pouvez en baigner? De... Tu veux un chiffre exact maintenant? Il faut que tu assembles des rotors et des plaques pour fabriquer des du plaquage intelligent. C'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Et sinon des bobines, mec, vraiment à l'infini, tu peux en envoyer. Là, on n'avait pas ce problème idée, de bobines. Bah, dans la recherche, en fait, là, ne serait-ce que pour te débloquer un emplacement d'inventaire supplémentaire, il en faut 2000. 2000 pour un emplacement d'inventaire supplémentaire, 5 emplacements en fait d'inventaire. Ah mais tu fais que de la recherche depuis tantôt. Ça c'est pour la recherche. Donc j'en ai 409 sur moi actuellement, donc ça en fait 1600. Ensuite, il m'en faut pourquoi? Ça
dans le Caterium après qu'on en a besoin. Non, pas ici. Et t'en as combien sur toi là? Dans les nutriments, de toute façon, pour l'instant, on peut pas. J'en ai 400, je t'ai dit, il m'en faut 1006. Il me faut 50 Comment ça, plaques. 1006 il me faut 50 plaques de fer renforcées pour débloquer l'oscillateur à cristaux. J'en ai filé 1300 tantôt. Mais j'en ai plus. T'en as fait quoi? J'en ai plus. Bah, j'en ai avalé, je les ai avalés. Voilà, et il m'a terminé. Voilà. Et là, je t'ai dit, consommateur de folie. Et j'envoie le disque dur. Voilà. C'est parti. Ah, mais j'ai plus, hein. Je te dis, la recherche, elle les avale par 1000, 1500 ou 2000. Et où? Et là, Je suis ici. Oh, ça va pas te faire plaisir, mais. Il est super. Vraiment. J'ai deux productions de trucs à cuivre juste pour ça. Tiens, tiens, il y a du cuivre là. Ça. Là, bah j'arrive. Je termine de faire des plaquages intelligents. Il y a du cuivre là aussi. Plaquage intelligent, plus important pour ça. Je crois que c'est de l'impur et ça, je crois que c'est du normal. Mais normalement, avec une de cuivre, on a assez. C'est juste que tu soulèves pas assez souvent la prod. C'est rien, je sais pas ce que tu fous. Soulève pas assez souvent la prod. C'est-à-dire que tu récupères pas assez souvent la prod. Si, bah. Tu dis si, mais les gens sont témoins. Hein. Visiblement, non. Hein. Alors, t'as des usines qui produisent pas. Hein. Bah oui, c'est bien ça le problème. Bah c'est attends, c'est du pur, qu'est-ce que tu me fais? Normalement, ça produit un gisement. Mais oui, mais pur, ça produit je vais de les booster ouf. Du coup. Attends, bah booste-le, mais deux trucs là. Le mec, il a 25 nous, il va, je si travaille, fout, hein, moi je fais pas que ça, je dois tout ouais, faire là. Donc, c'est ce qu'il raconte, le mec, il fout rien. Ouais. Monsieur, il reste appuyé sur sa barre espace depuis tantôt. Hein. Ouais, bah excuse-moi, c'est suffisamment séchant, les gens approuvent. J'ai les cartes sur moi pour tronçonner d'autres trucs. Parce que bon, du coup. Toi tu m'en sors combien? Tu m'en sors 30 par minute. Bon, on va peut rien faire. Sans tes plaquages intelligents, là on est bloqué. Je t'explique. On peut plus rien faire à part de la recherche. Et la recherche, vu que tu produis pas de fil de cuivre, bah on est coincé. Et il ne te reste que 1 minute et 40 secondes pour nous trouver 2000 bobines de cuivre. Ok, donc je dois mettre deux boosters là-dedans. Ah, bah mets tout ce que t'as. Hein. Allez, on va venir voir. Ah, mais est-ce que l'électricité elle fonctionne du coup? J'en sais rien, pour l'instant ça a obtenu. Ça transpire ou pas? Oula! Oh, je suis arrivé à un pic de 28,8 sur 28,8 quoi. Ah, il y a eu un petit pic là, je crois. Il y a eu un petit pic de transpiration. Et encore, cette machine là est à l'arrêt. Hein. Ah, cette machine là ne produit rien. Laquelle? Ah, oh, bah putain, bah, voilà, c'est fait. Hein. Qu'est-ce qu'elle est censée produire cette machine? Ça. Un plaquage intelligent. Elle est censée produire des plaquages intelligents. Dis donc, toute la prod est par terre. Mais par contre, je crois que t'as une machine qui est éteinte là-bas. Je crois qu'elles sont toutes éteintes là. Ah ouais, tu vas tellement plus vite en glissant, sautant, c'est ouf. Voilà, par je contre, sais pas, mais. C'est oui. Chiant de pas juste courir. Donc, moi, j'ai juste courir. Et sauter un peu, parce que c'est rigolo. Attends, parce qu'il y en avait une que. Il y en a une qui était éteinte, ouais. Ouais, il y en avait une qui était éteinte. Voilà, parfait. Parfait, vu ce qu'on consomme comme. Vu ce qu'on brûle comme végétation par seconde, je suis pas sûr que ce soit parfait, mais bon. Il va falloir qu'on trouve le charbon grave, tellement dit, vite. T'as dit que t'aimais bien faire de la biomasse. Mec, il va falloir qu'on trouve le charbon tellement vite. Oui, t'as dit que t'aimais bien faire de la biomasse. Le plaquage intelligent, je pense que tu peux mettre toutes les limaces du monde hein, dedans. Hein. Mais non, t'as dit que t'aimais bien faire des... la biomasse solide. Non. Je l'ai entendu dans les commentaires, on aime bien ça. Eh, c'est mon arme, les commentaires. Alors arrête, ça suffit. Hein. C'est mon argument. Hein. Les gens disent non. Hein. Voilà. Comment ça, stand-by? Remets-toi en route. Comment ça, no power? Comment ça, pas de power? Ah non, comment ça? Non! Ah! Cette machine elle est pas raccordée au réseau. Laquelle? Oui, je sais. Celle-là. On peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Il raccorde, wesh! Oui, mais attends, parce que du coup, mais regarde, là maintenant que je raccorde, ça va péter. Mais non, ça tient large! On est sur le poteau tous les deux en train de guetter. Est-ce que ça va tenir quand même? Est-ce que ça va tenir au secours? Bah, ça tient large! Ouais. Mauvaise foi. Non, un peu quand même là, ça tient pas si large. Ça tient large! Qu'est-ce que tu me fais?
Des câbles. Ah oui, on a du câble en fait. Ah, c'est U1 et 1 pour en faire deux pièces, c'est ça? Oh, mais on a pas de bouche. Oh, ça c'est va, vrai. C'est large. Je prends un peu de temps. C'est quoi cette merde que tu nous as fait pour les bobines là? Attends, quoi? Monsieur, pourquoi vous êtes venu déjà? Normalement, vous étiez pas censé venir. Oui, ouais, je vois ça, hein, je suis pas censé venir, mais les gens ont gueulé dans les commentaires. Quoi? Quelle merde! Quelle merde! J'ai boosté pour ça. Quelle merde ces commentaires, hein, c'est incroyable! Alors, pourtant, tu kifferais comme d'habitude gaming, les gens disent jamais rien, ils sont adorables. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah, ça avance pas là. Là, devrait y avoir un deuxième constructeur. Pourquoi y'a pas un deuxième constructeur? Monsieur? Il est où l'ingénieur? Ça en sort 30. Mais taisez-vous, monsieur, ça en sort 30. C'est parce que regardez, si je fais ça, c'est. Hop là. Cette machine en sort 30. Et cette machine en produit 60, c'est-à-dire que tu peux littéralement alimenter deux regardez, machines. Regardez, regardez. Maintenant. Oh, regardez, maintenant ça sort parfaitement. Vous saviez pourquoi ça ne fonctionnait pas? Parce qu'on n'a pas retiré les 100 qui étaient là-dedans et les 100 qui étaient là-dedans. Non, voilà, dans tous les cas, ça ne change rien. Si, tenez. Non, regarde, taux de production cible, 60 par minute. Mais non, ça en produit 60, mais ça en a besoin que de 30. Et elle t'en produit 30. Du coup, c'est bon. Elle t'en sort 60 par minute. Sinon, tu pouvais aussi la gaver à fond. Hein. Pourquoi tu gaves pas deux machines à fond? Mais parce que t'as pas l'impression qu'à chaque fois que je gave des machines, il y a plus d'électricité. Ou alors on va me faire des brûlures de biomasse, mais je crois pas que ça va te plaire. Mm-hmm. Bon, tiens. Regarde, tu peux aller t'amuser si tu veux. Bah, j'ai chaud ou pas? Je sais pas, si tu veux, je peux les faire. Je vais épargner YouTube, je vais... Non, mais tu n'assembles jamais aucun lingot. Est-ce que t'as vraiment assemblé des lingots une fois dans ta vie? Bah, j'en ai fait un tout petit peu au début, quoi. Un tout petit peu. J'en ai fait deux, quoi. J'en ai fait deux ou trois pour la pointe, quoi. Solo, c'est moi qui tabasse les lingots depuis tout à l'heure. Comme un sourd. Justement, quoi. C'est bien ce que je dis. Si tu veux, on peut échanger. Putain, horrible. Mais après, tu vas rien comprendre à ce que j'ai fait ici, je crois. Bien sûr que si. J'ai joué aux jeux vidéo, quand même, au secours. Ouais, mais allez, vas-y, j'assemble. Tu vas te modifier. Mon mug sur la barre espace et c'est parti. Le mug, le fameux. Le fameux mug. En fait, quand tu joues à ce jeu, t'as un objet lourd qui devient l'objet de ta vie. T'as raison. Moi, je pose mon téléphone dessus, je regardais des vidéos. Voilà. Donc moi, je vais l'appeler le Saint Raptor Mug. Voilà. Ce sera le nom de cette vidéo. C'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais faire? Dis-moi maintenant ce que je voulais à faire. À part me faire chier? Ah, je sais pas. Je sais plus en fait. je pense à oublier. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Quoi donc? Un truc super utile, tu vas trop kiffer. Ah ouais, donc c'est la couleur. Exactement. C'est toi qui voulais mettre du rose partout, t'as su tes responsabilités. voilà. Ah, tu peux venir me voir, hein, je te pose ça partout. Ouais. J'arrive. T'es où? J'accours. Vite pour ton pistolet. Je veux mon pistolet. Tiens ton pistolet, tiens la des couleurs. Je vais pouvoir le mettre dans ma deuxième main et jamais m'en servir quoi. Ah si tu vas peindre tes photos et tout, vas-y. Non, t'as fait combien de trucs? Ça prend plein de place bah, dans l'inventaire. Toutes les fleurs. Mec, elles me prenaient de la place tes fleurs de merde. Ça prenait, je te rappelle, 5 slots d'inventaire. Démerde-toi, va peindre l'univers entier. Tiens, va voir les diablos là et peins-les en rose bonbon là. Ah ouais, c'est bon, tous les potos. Peut-être qu'ils transformeront en polyponey. En mauve carrément, c'est quoi? Tout en mauve. Oh l'horreur! Allez, vraiment, mauve, c'est vraiment pour le bien de YouTube que je suis dit de faire ces fils de cuivre en vidéo et après on met fin à la vidéo parce qu'il faut pas déconner. donc là, si vous avez prévu de vous barrer, barrez-vous. Hein. Bah, regardez pas la fin de la vidéo, cassez-vous. Cassez-vous, mais mettez un pouce bleu quand même si vous êtes cassé un peu plus tôt, ça se fait. Ne vous abonnez pas par contre. Non, parce que s'abonner à Comme d'habitude Gaming, c'est admettre l'échec de sa vie. Ne faites pas ça. Ah bon? Ouais, bah oui. J'ai une chaîne de l'emmerdement maximal. La moyenne de durée durée d'une vidéo chez moi, c'est genre plus de 45 minutes, je crois. Même oui, en faisant exprès de faire des épisodes commerciaux, genre sur un raft, toutes les vidéos font plus de 45 minutes. Ça te donne une idée ou pas? Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais. Après, si tu veux qu'on monte dans des vidéos ouf, tiens, bah toi qui as jamais regardé ma chaîne. Pour les gens peut-être qui l'ont pas encore vu à ce stade là, allez voir la vidéo
Bah, j'ai une petite vidéo assez sympa qui prouve l'état d'emmerdement maximal de cette chaîne. C'est une... Ah, tiens. Non, mais non, bordel. Elle a l'air fort sympathique. cette vidéo, c'est juste du Sea of Tease. C'est une vidéo où on essaie de se canonner. C'est une des dernières vidéos en plus, parce que j'en ai pas retourné depuis. On essaie de se canonner pour atteindre un trône. Et en fait, j'ai des potes qui essayent de l'atteindre pendant des heures. Et je reste appuyé sur ma touche jouer de la musique pendant 3h30. Oh non. Je déconne pas, c'est pas une blague. Et c'est pas une blague. Et j'ai posté ça en vidéo. C'est pas une blague. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. PD2. À la prochaine, des bisous.